Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec theturf.fr. Alors, ce mardi 20 décembre, direction l'hippodrome de Vincennes, après un petit crochet en province, en tout cas c'était ouais, du côté du Mans lundi. Mardi, comme j'ai dit, retour sur la cendrée de Vincennes avec une réunion semi-nocturne assez intéressante. Moi je me suis intéressé à la cinquième course du programme, hein, le prix du Morbihan. Vous le voyez, support de Pique 5, mais également 2 E5 chez notre partenaire The Turf. 15 concurrents au départ, hein. Ce sont des poulains de 3 ans n'ayant pas gagné 40 000 euros. C'est vraiment un lot très intéressant, hein, très intéressant, pardon. 2700 mètres, hein, le parcours de la grande piste, le parcours classique, voilà, prévu à 18h13. Cette compétition, un seul concurrent que j'ai retenu. Pourtant la course est ouverte, mais il me plaît tout particulièrement, c'est le numéro 11, Jazz Up. C'est vraiment un cheval de qualité, un poulain vraiment estimé, je pense, au sein de l'écurie de Thierry Duvel-Destan. D'ailleurs, faut pas s'y tromper, hein, ses trois premières victoires en trois sorties sont vraiment significatives. D'ailleurs, les lots étaient quand même bien composés, hein, notamment du côté de Vincennes. Vraiment, j'aime beaucoup sa candidature. Vous le voyez, distancé pour sa rentrée le 16 octobre. Derrière, 8e, il manque encore deux compétitions. Et d'ailleurs, il était délaissé à un 50 contre 1. Et puis dernièrement, c'était vraiment très très bien pour sa vraie première course où il a terminé 2e du bon Jablonski, un élément vraiment estimé également chez Jean-Michel Bazir. Du coup, je trouve vraiment que cette sortie est très très bonne. Il est une nouvelle fois déféré des postérieurs. Comme lors de cette sortie, à mon avis, il va encore afficher des progrès sur cette tentative. Et du coup, voilà, l'engagement est vraiment très intéressant. Il retrouve Jack Léventreur, hein, qu'il a déjà battu d'ailleurs. C'est à noter en tout cas. C'est un concurrent qui, à mon avis, va réaliser un bel hiver et qui va rapidement monter les échelons. Et c'est vraiment, à mon sens, l'une des toutes premières chances. Et si ça se passe bien, je le pense capable même de renouer avec le succès. Donc voilà, ce sera donc le 511 en réunion 4. Jazz Up a joué de mon côté 1 euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce dimanche, hein. Je vous indiquais Gaélique du Rocher du côté de Vincennes, une réunion qui s'est disputée assez tôt dans la journée. C'est vrai que ce Gaélique du Rocher m'a beaucoup déçu. Vraiment, il a eu un bon parcours, il a dû contourner un rival peu avant la montée. Et mais quand il s'est redécalé pour accélérer, bah, il n'y a pas forcément grand-chose dans le sac. Et c'est vrai qu'au final, il s'est rapidement retrouvé battu, alors qu'il était favori en plus, ou deuxième favori en tout cas. C'est vrai que c'était même petit Oscar que je vous conseillais avec ce Gaélique du Rocher qui a pris tête et corde et qui au final, lorsqu'il a été débordé, n'a pas tardé à se montrer fautif dans le tournant final alors qu'il était nettement battu pour la victoire. Vraiment... Décevant, que ce soit Gaélique du Rocher ou encore MT Oscar, je suis vraiment déçu de ces deux concurrents. En tout cas, voilà, j'espère vraiment qu'on va reprendre du moral. Il reste une dizaine de jours avant la fin du mois. C'est une dizaine de jours pour essayer de se refaire et de remonter la pente et pourquoi pas même d'essayer de terminer en bénéfice. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous le savez également, nous sommes en partenariat avec theturf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de Un jour en Paris. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.